Bon, on va commencer, les derniers devraient arriver. Bonjour à ceux qui sont dans la salle déjà et ceux qui sont sur le live YouTube. Céline, sur le live, si on n'entend pas bien dans le micro, tu me le dis, je corrigerai le volume. Non, si on ne voit pas non plus. C'est normal parce que j'ai pas mis la caméra pour l'instant. C'est parti. Par contre, on m'entend bien. C'est bon pour le temps. Je suis ravi de vous compter ce soir parce qu'on a beaucoup de nouveaux visages. Donc ça, c'est super agréable. Et a priori, on frôle les 45, donc c'est un beau succès. Donc merci d'être venu par ce super beau temps. Et on sur la chaîne. Donc, merci beaucoup pour ça, Céline Info. Qui connaît le club Power BI? On va faire par différence. Eh, hey, belle majorité. Alors, on ne le voit pas à la caméra. On va dire une bonne moitié. Pour ceux qui ne connaissent pas le club Power BI, je vais en faire une rapide présentation parce que c'est quand même juste important. Et je vais juste fermer la porte. Il y a un dégât pour rendre, je vais juste la mettre contre. Il n'y a pas une case, bon, peu importe. Donc le club Power BI, c'est avant tout un club, on est tous bénévoles, première chose. C'est un club communautaire où on va forcément discuter de Power BI et parfois plus légèrement de la Power Platform. Power Platform, ça parle à tout le monde, parfait. Je vais aussi me présenter rapidement, comme ça vous allez comprendre un peu mieux aussi qui on est. Si j'appuie sur le bouton en théorie, ça devrait fonctionner. Voilà, donc moi je suis Guillaume. J'anime le club Power BI maintenant depuis, c'est le sixième club Power BI qu'on organise. On le fait globalement tous les trimestres pour plein de raisons. On a plein de choses à vous raconter en plus sur un trimestre. Je suis pour ma part certifié, doublement certifié Power BI et Excel et je dirige le cabinet KPI Consulting. Et voilà le reste de l'équipe Power BI, donc globalement plusieurs régions. Paris, les fondateurs qui organisent des Power BI tous les mois. Vous m'aurez reconnu. Joël qui organise sur Aix-en-Provence, Marseille, la région du Sud. Françoise et Paul et d'autres compères qui sont dans la salle, notamment aussi, qui font Nantes. Et Thomas qui fait Lyon. Donc, voilà, ça commence à s'agrandir, la famille s'agrandit. Et tout ça fait qu'on a pas mal de meet-up qui tournent. Petite actualité, donc ça c'est notre club aussi. C'est le site du club où on va rencontrer donc, toute l'actu, tous nos contenus, tous nos meet-up. Les lives qu'on republie sur le live YouTube sont sur ce site, rapidement. Gros point d'actualité qui a eu lieu, j'en vois certains qui étaient là ce week-end, vendredi et samedi qui viennent de se passer sur le Power Saturday à Paris. Deux jours orientés par plusieurs communautés Power BI, Microsoft, pardon, notamment Data, Office 365, etc., SQL, qui a été un gros succès. On a rencontré sur les deux jours, alors ce n'est pas encore les chiffres officiels, mais globalement, on a décompté 300 personnes sur les deux jours qui sont interagies sur cet événement. Et on a mélangé les trois communautés. Donc voilà, l'année prochaine, a priori, je ne fais pas de bêtises en disant qu'il y en aura un autre en 2020. Donc prenez déjà date, a priori, au mois de juin, dans ces eaux-là, pour un certain délai, il faut y aller. Vous allez voir, c'est plutôt très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, donc aujourd'hui, ce qu'on va se faire aujourd'hui, j'ai un peu changé de programme pour deux raisons. L'actualité Power BI est très riche. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité de très près, mais le trimestre qui vient de s'écouler a été extrêmement riche en nouveautés. Je ne peux pas tout vous faire voir, c'est juste pas possible. Sinon, on est encore là jusqu'à demain matin 8h. Il y en a des choses à faire pour ce soir. Donc, j'ai fait un choix et j'ai essayé de faire un fil conducteur dans ce choix. Vous présentez les nouveautés et à chaque fois, les mettre dans un cas pratique. Le thème d'aujourd'hui, il y en a deux principaux, c'est... comment je vais raconter une histoire avec Power BI avec les filtres, les tris, la mise en page conditionnelle. Et la deuxième partie qui sera comment je vais allumer ma petite lampe là-bas avec Flow. Voilà, donc ces deux outils qui font partie de la Power Platform. Donc pour la première partie, je vais en même temps que les nouveautés, je vais vous intégrer tout ça dans un cas de figure. Ok. Je voulais remercier bien évidemment Tris qui nous accueille ce soir. Allez-y, on sera donc 47. Super, merci d'être venu. Merci Tris qui nous prête leurs locaux ce soir, qui nous accueille donc pour la deuxième fois d'ailleurs, qui sont eux-mêmes des spécialistes, si j'ai pas de bêtises, des environnements Microsoft, Data, etc., tout ce qui gravite autour de tout ça. Et petit point de précision, RGPD, je rigole, c'est pas loin. On a un super photographe dans la salle. Si quelqu'un ne veut pas avoir sa tronche sur YouTube ou je ne sais pas quoi d'autre, ou sur un LinkedIn ou je sais pas quoi, ou un main, il lève la main. Auquel cas, sinon vous serez flouté, sinon, si ça vous dérange pas, on ne fera pas des plans serrés de votre visage, mais on fera des plans d'ambiance. Voilà. Mais je préférais vous le dire au cas où on avait un souci. Pas d'objection pour ça?
Tu peux shooter alors. Tu peux y aller. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait ? Très bien. On va peut-être commencer déjà dans le vif du sujet. Alors, il y a pas mal de choses que je dois vous raconter sur les nouveautés du deuxième trimestre 2019. C'est riche. Et donc, j'ai dû faire une sélection. Et on va commencer par peut-être la plus simple. Dans Power BI, pour ceux qui ont eu la chance de le télécharger quasiment, je crois que c'est sorti le 11 juin, pour être très précis, ou 10 juin dans la soirée. Ceux qui sont sur le store ne se posent pas de questions, hein, parce que quand on installe Power BI Desktop via le store, on ne se pose pas de questions de la mise à jour. C'est tous les 15 jours, globalement. Il y a des petits updates qui passent. La grosse, c'est tous les mois. Ceux qui sont en local, il faut faire le petit bouton mise à jour. Mais globalement, ce qu'on a remarqué, c'est juste l'interface. Elle a complètement changé. Ils l'ont mise, alors après, on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas le sujet du moment. En tout cas, ils l'ont fortement épuré. On est passé d'un fond gris à un fond blanc. Ça, c'est la première chose qu'on va se raconter. La deuxième chose fondamentale qui s'est passée, je rentre dans le sujet tout de suite, c'est celle du mois de juin, qui est importante. Alors, sur l'écran, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on va faire en sorte que ça fonctionne. Quand vous avez des vis personnalisées, des custom vis, hein, ce ne sont pas les 24 qui sont livrés par défaut ici, mais quand on en rajoute certains, quand vous prenez des custom vis, vous avez la possibilité maintenant, il faut cocher l'option, attention, dans Power BI, on va faire un petit test rapide, on va prendre n'importe lequel, et à la limite, peu importe, ce qui est important, c'est d'avoir un custom personnalisé. Je vais prendre, allez, parfait, le premier qui vient. Si vous avez coché l'option, vous voyez ici, il y a un petit trait. Alors, je ne sais pas si à l'écran, on le voit bien. Alors, sur YouTube, c'est sûr qu'on ne le verra pas. En tout cas, ici, il y a un petit trait maintenant qui vient vous dire, attention, c'est un custom vis. Avant, et ça, c'était avant le mois de juin, à chaque fois qu'on ouvrait un nouveau Power BI, nos custom vis, on devait à chaque fois les reprendre, les retélécharger, les réaccrocher. Maintenant, deux nouveautés. La première nouveauté, c'est que, d'une part, il est différencié des autres, mais aussi, si on fait un bouton droit dessus, on est capable maintenant de l'épingler au custom par défaut. Et donc, il va être rattaché à votre compte sur lequel vous allez télécharger en haut à droite votre custom vis. Et quand vous ouvrirez un nouveau Power BI, il viendra dans vos custom par défaut. C'est une nouveauté intéressante. Avant, à chaque fois, on retéléchargeait, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais n'oubliez pas d'aller dans votre menu fichier options. Ça, c'est important. Et si vous voulez que ça fonctionne, même si c'est du preview, il faut quand même ne penser à le cocher chaque fois pour ceux qui découvrent l'interface. Je préfère le repréciser. Ici, il faudra bien cocher toutes ces options-là pour avoir tout ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Important. Sinon, vous pouvez chercher longtemps, ça ne marchera pas. OK ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont fait un peu de cosmétique en plus de la couleur. Oh, je vous le dis parce que voilà. Mais je ne sais pas si vous avez été sensible à la petite refonte des icônes. Bon, voilà, c'est frais. La seule chose qu'ils n'ont pas changé, c'est l'icône de l'application. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant, tout Office 365, toutes les icônes ont été remodelées. Pour l'instant, Power BI n'a pas encore été remodelé. On verra bien. Peut-être surprise de cet été, on verra bien. Ça, c'est pour la partie classique. Si maintenant, je rentre un petit peu dans les autres nouveautés, un peu plus conséquentes, on va dire ça comme ça, tac. J'ai choisi de prendre comme cas de figure aujourd'hui, alors, je sais pas, pour ceux qui sont habitués au club Power BI de Lille, notamment, et peut-être à d'autres clubs Power BI, j'aime bien thématiser ce que je raconte. J'aime pas partir d'une feuille blanche, etc. Donc voilà. Là, aujourd'hui, j'ai voulu raconter une histoire autour. Alors, la définition autour de l'écran n'est pas superbe, mais j'ai voulu raconter une histoire autour du vélo. Voilà, c'est un dashboard qui raconte la disponibilité en temps réel des vélos à Montréal. J'ai pris Montréal parce que la data est ouverte. D'accord ? Et pourquoi je vous dis ça ? Bonjour, monsieur 48e. Enchanté, prenez place. C'est très discret, mais c'est très aléatoire. Ah ben ouais. Il y a plein de places devant en plus. qu'est-ce que je racontais ? Oui, donc là, je voulais vous raconter un truc, c'est que quand on a des dashboards, souvent, parfois, ça arrive, et les visuels, que quand on met à jour, quand on change un filtre, etc., parfois, on a la petite icône qui tourne en rond. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ça se rafraîchit. D'accord ? Et donc là, ils ont fait une petite option. On va pouvoir comprendre comment fonctionne le modèle et pourquoi c'est plus ou moins rapide, pourquoi c'est beaucoup plus long, excusez-moi. Et donc, dans le menu affichage, la nouveauté du mois de juin, du trimestre en tout cas, notamment, mais du mois de juin, c'est l'analyseur de performance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà un petit peu regardé, ça devient intéressant cette chose. Je vais prendre un exemple. Si on veut comprendre pourquoi, alors je vais peut-être faire un peu de place sur mon écran parce que là, si on veut comprendre pourquoi le rapport est plus ou moins long à se mettre en place et à se rafraîchir, on va faire la chose suivante.
on va démarrer l'analyseur de performance et on va simuler un filtre. Par exemple, je vais cliquer là-dessus. Il s'est mis à jour et donc à chaque fois que je vais faire une sélection différente, il va m'enregistrer ce que je fais. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire, ben voilà, quand je fais une sélection croisée, il s'est passé tout ça, j'ai mis à jour tout ça sur le dashboard. Okay, et à chaque fois qu'on va avoir un élément, on va avoir trois items. On va avoir combien de temps la requête DAX en millisecondes, d'accord, a mis du temps à se rafraîchir, combien de temps le visuel a mis de temps à se rafraîchir, ce qui n'est pas la même chose, et autre. Alors, autre, j'ai repris la définition parce que c'est quand même plus simple, de Microsoft. Ça couvre le temps par le visuel à préparer les requêtes. Donc, ça ne lance pas la requête, ça prépare ce qu'il doit envoyer comme paramètre. Et il attend ce que les autres visuels soient terminés. Donc, si on a un gros visuel qui prend du temps, eh ben, comment on va l'identifier tout simplement? Ici, maintenant, on a une option de tri, et ça, c'est nouveau au mois de juin. On peut trier en ordre décroissant de temps d'exécution. Et le plus gros ici, c'est le nombre. Donc, c'est lui, là, le nombre de trajets, le visuel nombre de trajets qui est là-bas, qui est le plus long à se mettre à jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'affichage du visuel fait 350 millisecondes. Alors, soyons sérieux, 350 millisecondes, ça va. Et quand on a des gros rapports, ça devient intéressant. Autre option qui est un peu cachée, donc je vais un petit peu effacer tout ce qu'on vient de se faire. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir se focaliser donc, sur un élément visuel de mon rapport. Si je démarre l'ordinateur de performance, il y a une nouvelle icône qui est apparue ici. Cette icône-là, le petit carré avec la loupe. Quand je clique dessus, je vais me focaliser sur ce visuel et pas l'ensemble du rapport. D'accord ? Je vais donc pouvoir comprendre pourquoi, quand je clique dessus, ce qui se passe dedans. Je vais l'arrêter. Qu'est-ce qu'il me raconte ? On va savoir un petit peu ce qui s'est passé. Il va me dire dans le détail pour ce visuel, pourquoi il est plus long. On aura un focus sur un élément. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'exporter. D'accord ? Ça peut être intéressant de l'exporter au format JSON pour pouvoir analyser en fonction des corrections qu'on apporte au rapport, à ce qui est plutôt plus rapide, plutôt plus long, etc. On va pouvoir historiser nos changements. Donc, on peut exporter cet analyseur de performance. Ça, c'est le premier point. Autre nouveauté, à mon avis, qui est peut-être aussi très importante, qui devient, on va dire, qui va devenir dans le temps intéressante. Avant, le mois de juin, dans les fonctions DAX, pas de questions sur le magnifique. Il n'y a pas de bonjour de personne, si. Si, il y a Joël. Joël, bonjour à Joël. Avant, dans DAX, le 0 et les blanks étaient considérés identiquement. C'est la même chose pour eux. Maintenant, on a rajouté un nouvel opérateur qui s'appelle égal-égal depuis le mois de juin dans DAX. C'est important parce qu'avant, si on voulait savoir si c'était 0 ou si c'était blank, on devait passer par la fonction isBlank. D'accord ? Pourquoi pas ? C'est une fonction en plus. Maintenant, on a ajouté un nouvel opérateur. Alors, n'ayez pas peur à l'écran, ça risque de clignoter un petit peu. J'ai essayé de le schématiser dans une fonction, peu importe, ça génère une table de date. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, je vais peut-être un peu zoomer pour que vous voyez ce qui m'intéresse. Ici, j'ai dit, voilà, j'ai fait une petite variable qui va me dire que si je suis un jour de semaine, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi, ça vaut 1. C'est arbitraire, c'est pour la démo. Vendredi, c'est 0. Et le week-end, c'est blank. Il n'y a rien. D'accord ? Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment va fonctionner cette formule. Donc aujourd'hui, traditionnellement jusqu'à maintenant, si je lui demandais ce qui valait 0 et ce qui valait blank, en théorie, de me sortir vendredi, samedi, dimanche. Parce que le vendredi vaut 0, le 7 et le 6 vaut blank. Je regarde, je vais réduire un petit peu ma barre de formule. Si j'y arrive, parfait. Ici, je vois bien que le vendredi, c'est un jour numéro, je ne vois pas ici, mais c'est un jour 5, en tout cas, je lui fais confiance. Vendredi, samedi, dimanche. Ici, j'ai bien, alors j'ai peut-être trié, parfait. J'ai bien du false à chaque fois ici. Par contre, maintenant, dans ma formule, si j'utilise le nouvel opérateur DAX qui s'appelle égal-égal, je vais lui demander de me notifier que les blanks. Donc, je rajoute simplement un égal. Je fais un double égal. Je peux m'affranchir de la fonction isBlank et je n'ai plus que 2 true qui sont les samedi dimanche et non plus 3 true. D'accord ? Donc, j'ai bien identifié uniquement ce qui est blank grâce au égal-égal et non plus le 0 ou le blank. C'est un bel opérateur. Ça va vous simplifier les formules. Ça va, ça ? Vous la découvrez ? Elle est intéressante. Je l'ai mis en œuvre, elle est pas mal.
La grosse nouveauté aussi du mois de juin, et je pense que c'est peut-être pas la plus importante, mais en tout cas, elle va révolutionner la façon dont on va construire nos rapports et comment on va utiliser le Power BI Services. Ça a été extrêmement bien expliqué par notre ami Mohamed sur Nantes il y a 15 jours, à peu près, un truc comme ça. Je ne vais pas refaire la démo complète. C'est les jeux de données partagés. Avant le mois de juin, quand on publiait un rapport, on publiait deux choses. On publiait un jeu de données et on publiait un rapport dans les workspaces. Je vais aller un petit peu sur le web. Je vais prendre, par exemple, excusez-moi, je cherche ma page web qui est ici. Tac, tac, tac. Parfait. Ça doit être celle-ci. Hop, je la mets là. J'ai dit que je la mettais à gauche et c'est mise à droite. Excusez-moi. Tac. Avant, quand je partageais dans un espace de travail, je prends ici par exemple celui-ci, un jeu de données, il était cloisonné à son workspace. Ça veut dire que si j'avais, par exemple, je prends un exemple, un espace de travail commerce, un espace de travail industrie, un espace de travail corporate, si le rapport, je voulais le publier dans différents workspaces, en tout cas partager ce jeu de données, j'étais obligé de repartager autant de fois qu'il y avait de workspace possible. C'était contraignant. En termes de maintenance, en termes d'efficacité, etc. OK ? N'hésitez pas à interagir hein, s'il y a des questions. Maintenant, on va pouvoir publier un jeu de données dans un workspace et on va pouvoir le partager à d'autres workspaces. Donc, on va ne le faire qu'une seule fois. En termes de maintenance, etc., c'est quand même franchement génial. En revanche, ça ne fonctionne que avec les nouveaux workspaces. Vous n'êtes pas censé s'en voir que depuis le mois de février ou mars, chose comme ça, on a les nouveaux workspaces qui sont arrivés. D'accord ? On a administrateur, collaborateur, membre, etc. Avant, on n'avait que deux possibilités. Si on veut faire un jeu partagé, on doit le faire dans un nouveau workspace. Et on doit activer quelques options. Je ne vais pas toutes les faire. Je vous invite à re-regarder le meet-up de Nantes. Mais je vais quand même vous en voir quelques-unes parce qu'elles sont essentielles pour le mettre en place. Quand vous êtes dans votre portail d'administration de Power BI, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans les paramètres du client, on a maintenant deux choses. On va pouvoir utiliser des jeux de données dans plusieurs espaces de travail. Par défaut, il faudra qu'on regarde si c'est activé. Le gros avantage, c'est qu'on ne va pas dire à tous les utilisateurs de l'entreprise, attendez, c'est bon les gars, mettez un workspace, un jeu de données et tout le monde va le lire. On va pouvoir lui dire, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que ce sont pour des groupes de sécurité? On ira paramétrer dans votre tenante Office 365, Azure, etc. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option qu'ils ont sortie, c'est que quand on envoie un jeu de données dans un workspace partagé, l'idée derrière, c'est de dire, est-ce que je vais pouvoir le promouvoir et est-ce que je vais pouvoir le certifier? Alors, c'est juste un tampon, c'est un badge qu'on va balancer sur ce jeu de données. Et ici, en fait, dans une autre option qui est ici maintenant, on va pouvoir leur dire, tac, on va pouvoir leur dire juste ici, juste ici, juste ici, que je ne vois pas encore. Voilà, voilà, c'est juste un petit peu au-dessus. Je pense, excusez-moi, je le cherche. Alors, ici, certification des jeux de données, on va devoir activer cette option pour dire, ben voilà, dans l'entreprise, il y a des jeux de données qui ont été publiés, vérifiés ou pas. Et donc, deux niveaux d'approbation. Le premier niveau, c'est je le promue, d'accord ? C'est un premier niveau de dire, OK, a priori, il est pas mal. Et le deuxième niveau, c'est la certification. Ça ne change rien. Il n'est pas forcément ouvert ou bloqué. C'est simplement un badge. Et le badge va ressembler à quoi ? Quand vous êtes dans un workspace et qu'on a un jeu de données dit partagé, si je retournais dans mon workspace, ça sera plus simple. Voilà. Et dans mes jeux de données, ici, par exemple, j'ai dit, ce jeu de données, je l'ai partagé et je lui ai mis une étiquette. Hop, c'est bon, il est promu. D'accord ? Ça, c'est une super nouveauté. Avant, on aurait pu le faire en partie par le data flow. Or, dans le data flow, on n'inclut pas pour l'instant de mesure d'axe. Ce serait du langage M. D'accord ? Mais là, dans ce jeu de données, j'ai lui ai apporté tout le système de connexion, de rafraîchissement de ma gateway, de sécurité à la ligne, etc., etc. Il y a une question qui a été posée à Nantes, je ne sais plus, je crois qu'il y a 15 jours, peu importe. Est-ce que je peux partager à l'extérieur de l'entreprise un jeu de données partagé ? Non, j'ai essayé, pour l'instant, non. À mon avis, ça va arriver. Je pense qu'on pourra le faire. Donc, on pourrait potentiellement partager un jeu de données avec des clients ou des personnes extérieures à l'orga. D'accord ? Ça, c'est une super nouveauté. Donc, ça devrait, à mon avis, dans les jours qui viennent, etc., dans les mois qui viennent, continuer à évoluer. Une belle nouveauté. Y a-t-il des questions, des observations pour l'instant ? Ça va ? Pas de questions ? Ça roule ? Je continue.
La petite nouveauté qui est passée discrètement dans Power BI, c'est que, alors je vais peut-être même vous faire voir, c'est qu'ils ont retravaillé ce qu'on appelle le M-IntelliSense. Quand vous saisissez des formules en Power Query, donc en langage M, ils ont commencé à nous proposer les formules, etc. Là, ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont commencé à nous proposer la syntaxe et tout ce qui va bien, l'explication de la formule. Donc, ils sont en train d'alimenter ce M-IntelliSense. Voilà, c'est un petit détail, je voulais vous en parler parce que je trouve que quand on code, c'est agréable. Parfait. Je prends ma souris si elle veut bien. Voilà, nickel, nickel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, ils ont fait pas mal de nouveautés et c'est là où je vais commencer à intégrer mon sujet, qui est de dire comment je vais raconter une histoire dans Power BI avec mes filtres, mes tris et ma mise en page conditionnelle. Bizarrement, quand j'ai sorti le thème, je ne savais, alors j'avais une petite idée quand même, mais je ne savais pas qu'ils auraient été aussi loin. Ça tombe bien parce que ça alimente ton sujet. Ils ont énormément, énormément travaillé sur ce filtre moderne de filtre-là. Ce volet de filtre moderne. Ils ont beaucoup travaillé dessus. D'accord ? Alors, pour ceux qui le connaissaient d'avant ou pas, je vais quand même en faire une historique. Dans le temps, mais ce n'est pas si loin que ça, il y a quelques mois de ça, ça n'existait pas. Et on était obligé de mettre dans le rapport ce qu'on appelle des segments de filtre. Donc, l'intérêt était que l'utilisateur, il avait tout sur son dashboard, mais l'inconvénient majeur, c'est que ça mangeait de la place pour les autres visuels. On avait autant de moins de place qu'il y avait de segments. Vous me suivez? Donc maintenant, avec ce filtre, on peut ou pas, mais ça nous ouvre la possibilité d'enlever les filtres directement sur le rapport et de le mettre dans un volet. Et le gros avantage de ce volet, c'est que d'une part, bon, c'est un détail, mais il peut se masquer, bon, bien, ça se masque, mais il est totalement personnalisable. Autant le volet que les cartes. C'est quoi une carte de filtre? Alors, j'y vais. Je vais y commencer tout doucement. Les nouveautés de ce trimestre, ce n'était pas possible jusqu'alors. C'est que quand on mettait les filtres, ils tombaient dans l'ordre où on les glissait. Si je mettais année-mois, je voulais mois-année, je devais supprimer et remettre dans l'ordre qui allait bien. C'est compliqué. Voilà, c'est un détail, hein, mais le détail, c'est dans là où se cache le diable. Et donc maintenant, si j'ai ici, je vais prendre non pas un visuel particulier, mais je vais prendre dans mon rapport. Si je veux, pour plein de questions X ou Y fonctionnelles, le mois, le mettre avant les années, je n'ai plus qu'à faire un glisser. C'est bête, mais ça n'existait pas. Il fallait le faire. Deuxième chose, on ne pouvait pas non plus, avant, renommer mes cartes de filtre. Hein, une carte de filtre, c'est ce qui est en rouge et en vert. On ne pouvait pas les renommer. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est pas grave, je vais renommer le champ. C'est un peu extrême. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, tout simplement, ici, on va simplement cliquer deux fois dessus et renommer le filtre. Et dès qu'ils ne savent pas, c'est le but hein, d'aujourd'hui, c'est qu'on peut renommer nos cartes de filtre. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. C'est tout nouveau. Autre chose, comme vous l'avez vu ici, on va pouvoir leur affecter plein de mises en page. Alors, là-dessus, c'est riche. C'est très riche. Quand vous êtes dans votre dashboard, dans le volet visualisation, vous avez le grand traditionnel rouleau de peinture qu'on connaît bien. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà du fait que le volet lui-même, donc tout cela, toute la bande blanche qui est ici, on va pouvoir la paramétrer. Je veux dire un exemple, si on veut faire un truc corporate, je vais le mettre en gris, etc. Machin, on va tout pouvoir manipuler comme on le souhaite. Ce n'est pas là la nouveauté. Là, vous notez qui m'intéresse, en tout cas en termes de data storytelling, comment je raconte une histoire pour essayer que l'expérience de navigation utilisateur soit de plus en plus riche et de plus en plus simple, c'est de lui dire la chose suivante. Donc, je ne vais pas aller dans mon volet, mais dans ce qu'on appelle les cartes, les cartes de filtre. Première chose, vous avez deux types de cartes, les cartes dites disponibles au filtre et les cartes dites appliquées. D'accord ? Ici. C'est quoi ces deux types disponibles? Eh bien, quand vous mettez un filtre dans Power BI, on n'a pas forcément l'obligation d'utiliser le filtre qu'on propose. Je peux avoir, par exemple, la liste des commerciaux, toutes ou quelques-uns des commerciaux. Et si je choisis un des commerciaux, il va changer de statut, il va passer en carte dite appliquée. Et c'est là où ça devient intéressant. Comment j'ai fait ça? Si, par exemple, ici, mon volet, là, pour le moment, je n'ai pas fait de sélection sur des mois. Si je contrains ma carte à un filtre, si j'applique un filtre, je vais dire à Power BI, dès lors que je te mets un filtre, tu passes en rouge. Pour dire que visuellement, attention les gars, il y a un filtre sur ce que je vous raconte. Parce que quand on a 45 filtres, ou 30 filtres, ou même 12 filtres, ou 10 filtres, ça commence à être compliqué à naviguer. D'accord ? Pour ce faire, je vais donc enlever mon filtre.
C'est ici que ça se joue. La notion de disponibilité et la notion d'appliquer, c'est ça. Disponible, j'ai donc un format disponible. S'il est disponible et qu'il n'est pas appliqué, je le mets en vert, j'écris en blanc, etc. Si je le mets en mode appliqué, je lui mets une autre couleur pour lui dire attention, il est contraint. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant en termes de navigation. Parfait. Deuxième chose, ce qu'on peut faire maintenant dans le volet des filtres, au-delà de faire tout ça, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez remarqué qu'il y a trois icônes là, oh là qui sont assez importantes. Le cadenas et l'œil, c'est, je vous le redis, on l'avait je crois sur un meet-up. Le cadenas et l'œil ont deux utilisations différentes, complémentaires, mais parfois différentes. Le cadenas, et je pense que dans certains cas de figure, c'est quand même extrêmement important, c'est que moi, dans mon dashboard, je peux très bien dire à l'utilisateur final, ok, je t'ai fait un filtre sur l'année 2018, mais je ne veux pas que tu le changes. Pour autant, je veux que tu sois au courant que je l'ai appliqué, mais tu ne pourras pas le changer. Vous me suivez? Et donc, je vais pouvoir lui mettre un petit lock. Si j'appuie sur le cadenas, il se ferme ou il s'ouvre, peu importe. S'il est fermé, on laisse le filtre visible à l'utilisateur final, mais il ne peut pas y toucher. Ou carrément beaucoup plus extrême, si on ne veut pas qu'il le voit, donc il ne pourra pas y toucher par définition, on va lui dire, eh ben, le petit œil qui est ici, soit je mets une croix sur l'œil, soit je ne mets pas de croix sur l'œil, quelqu'un il sera visible. Donc s'il n'est pas visible, on ne peut carrément pas le changer. Donc ça ne sert à rien, entre guillemets, de mettre un cadenas. OK ? Autre chose, ils ont été aussi là-dessus intéressants, parce que dans les filtres des années, par exemple, on a deux typologies de filtres ici. On a soit un filtre dit de base, voilà, je coche ou je décoche, le grand classique, ou j'ai le filtre avancé. Est-ce que c'est entre telle date et telle date? Est-ce que ça contient des lettres? Est-ce que ça commence pas? Est-ce que ça termine pas? Etc. Si on ne souhaite pas, il peut y avoir un cas de figure, si on ne souhaite pas que l'utilisateur final puisse changer de typologie de filtre. Si on lui oblige à dire c'est forcément un filtre de base et tu ne peux faire que ça, ça se gère aussi. C'est juste très planqué. Pour ce faire, ils ont ajouté une petite option dans le rapport, donc dans le menu fichier options, hein, le connu, le bien connu, ici, qui devrait apparaître maintenant. Dans votre paramètre de rapport ici, vous avez dans le filtrage ici de l'expérience, est-ce que j'autorise oui ou non pour ce rapport, l'utilisateur a changé le type de filtre. Vous voyez, ils ont été quand même vachement loin dans l'expérience du filtre. OK ? Pas de questions pour l'instant ? Ça va ? Ou tu vas pas du tout ? Les têtes sont en train de se... Tout va bien ? Magnifique. Parfait. Je continue. Là où ils ont été aussi... ils ont poussé le vice un peu plus loin. C'est que sur... un élément visuel du rapport, un élément visuel, j'insiste bien sur le mot élément visuel, on va pouvoir contraindre le filtre grâce à des mesures. Ce qui n'était juste pas possible avant. Ça veut dire quoi cette histoire? Je prends un exemple, si je récupère la souris. C'est mal, magnifique. On pourrait lui dire, dans ce filtre-là sur le visuel, j'ai besoin d'avoir, ben, je pourrais lui dire, ben, je sais pas, moi, une destination, une ville, un commercial, peu importe, et lui dire, dans ce visuel, de ramener une mesure, ici, par exemple, dans la liste de mes champs, qui doit être là, et je pourrais très bien prendre une mesure, je vais prendre une mesure au hasard, donc j'ai rangé mes mesures dans un dossier de mesures, et je vais prendre à peu près n'importe quoi, et je pourrais, dans ce visuel, rajouter une mesure qui pourrait elle-même venir contraindre le filtre sur le visuel. Ça sert à quoi, concrètement? Concrètement, je pourrais très bien lui dire, sur ça, ne me montre que, par exemple, sur ce visuel-là, uniquement, par exemple, les destinations qui sont entre 1 km et 2 km. Les autres, tu ne me donnes pas. Vous voyez l'intérêt ou pas? Ça commence à être hyper fort en termes de filtre. Donc, attention, c'est puissant, il y en a partout, mais on peut très, très vite s'y perdre. Hein, parce que si chaque visuel a un filtre et qu'il n'est pas contenu du machin, etc., ça commence à être tendu. Okay, mais ça, ça n'existait pas. Au même titre, ici, en théorie, oui, c'est parfait. Au même titre qu'ici, je vais pouvoir, alors c'est un détail, hein, mais je vais reprendre celui-ci, je vais pouvoir trier mes filtres par ordre alphabétique. Je vous le dis, hein, tout ça, parce que c'est des petits détails, mais maintenant on peut lui dire, ben, tous mes filtres, tu me les classes par ordre alphabétique.
Avant, il fallait les classer à la main. Bon, petit détail intéressant. Et puis, bah maintenant qu'on a parlé des filtres, ce qui sera intéressant quand même, c'est que quand on raconte une histoire, le fond, alors ça c'est mon avis très personnel, mais il y en a plein dans la salle qui pourront interagir, le fond est partout, la forme est parfois tout aussi importante que le fond. Un joli visuel, même si la donnée, bon voilà, elle n'est pas très agréable à lire, c'est quand même sympa. Si on a un visuel avec une donnée juste, mais totalement pourrie, en noir et blanc, dégueulasse, franchement, on n'a pas envie de le lire. D'accord ? Très bien. Et donc, souvent, ici, on va essayer de thématiser avec des couleurs, corporate, etc. Et puis, on se dit, bah, moi, c'est bon, dans mon entreprise, il y a une charte graphique et à chaque fois, je vais vouloir thématiser mes filtres. La nouveauté qui est sortie maintenant sur ce trimestre, c'est qu'on va pouvoir, comme avant, importer un thème aussi pour les cartes des filtres et le volet des filtres. Un terme en JSON. Qui connaît les thèmes dans Power BI ? L'importation des thèmes en JSON. Pas beaucoup de monde, mais c'est bien. Je vais vous voir un peu quoi ça sert cette histoire. Un thème, c'est ça en fait. Alors, j'ai des thèmes prédéfinis. Je vais prendre un exemple. Par défaut, dans Power BI, on peut lui dire, tiens, je vais prendre un thème électrique. Je me lance. Bon, ça m'a mis des trucs en violet, en vert, etc. Bon, pourquoi pas. OK ? Et puis, non, je vais revenir à mon thème par défaut, celui que moi j'ai défini. Et puis je me dis, mais à chaque fois que je vais faire un rapport, je vais devoir, pour chacune des cartes, pour chacune des pages, refaire la même démarche. Je vais devenir fou. Donc, le Wi-Fi n'est pas connecté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir importer un thème. À quoi ça ressemble un thème en JSON ? Je vais vous le faire voir de ce pas. Je vais vous le faire voir sur, pas du tout en Visual Studio, c'est peut-être un peu too much pour commencer. Bon, quoi que ce soit gênant. Il s'ouvre sur mon autre écran. Regardez-moi 20 secondes, ou plus. Ça dépendra de la forme de mon PC. On ne va pas l'ouvrir comme ça. Excusez-moi, toc. On va le faire en Notepad++. Ça marche très, très bien. Voilà. Ici, vous avez donc un thème. Alors, ça peut faire peur au début, ce truc. Mais l'avantage, c'est qu'il vous propose des modèles pour habiller. D'accord ? Et au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, à l'intérieur de ce fichier-là, on va pouvoir lui dire, eh ben, la carte, mes cartes, je voudrais que si elles sont en mode appliquer ce qu'on vient de voir il y a 10 minutes, eh bien, j'aimerais que la transparence soit de 0, que la taille de police soit de 12, que ça soit telle police, qu'il y ait une bordure, que le fond soit de telle couleur et que la bordure soit telle couleur. Et si c'est un thème dit disponible, ben, label, on va faire la même chose. Et donc, l'intérêt, c'est quoi ? Et on va bien évidemment faire aussi ce qu'on appelle le volet. Alors, ça peut paraître dingue à écrire, mais en fait, non, j'ai pas fait ça comme un grand tout seul, hein, je suis un peu feignant. Hop. Ici, on va pouvoir ce qu'on appelle ici importer des thèmes. Okay ? Donc, on va importer des thèmes qui sont soit tout faits dans la communauté, qui proposent, et on va pouvoir simplement les adapter. Et donc, en un seul fichier, vous allez pouvoir thématiser votre carte de filtre, vos filtres et vos rapports. On va gagner vachement de temps. Okay ? Ça, c'est une nouveauté intéressante. Parfait. Pour le thème, ça me va bien. Je vous ai... Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Je serai le 50e. Voilà, je le dis comme ça, tout le monde est au courant. Ben, c'est magnifique. Qu'est-ce que... Oui, ça c'est parfait. Autre chose qui maintenant va devenir aussi, à mon avis, intéressant. Non, c'est toujours le 50e. Ça va. 49e. ce qui est intéressant, c'est que on va aussi, une nouveauté qui est intéressante, c'est qu'avant, les titres étaient statiques. D'accord ? C'est-à-dire que quand on mettait un titre dans un rapport, j'avais beau changer l'année, etc., sauf à faire une petite astuce, les titres dans les visuels, alors on trichait, on mettait des cartes, etc., on pouvait tricher pour rendre le titre dynamique. Maintenant, ils ont rendu les titres dynamiques. Super nouveauté, pourquoi ? Parce que ça ne s'arrête pas au titre. C'est pour les shapes, enfin pour les formes, pardon, pour les URL web, pour les objets, pour les images, on va pouvoir tout thématiser et tout rendre dynamique. Exemple, pour rendre, faire un titre dynamique, franchement, rien de très compliqué. Ici, j'ai créé, moi, ce qu'on appelle des titres dynamiques. Pour faire un titre dynamique, il faut juste faire un tout petit bout de code et après réfléchir à comment ça fonctionne. Dans mon exemple, alors, je ne sais pas si on le voit très bien, mais je vais essayer de le grandir un peu. Ici, c'est l'évolution du nombre de trajets entre 2018 et 2017. Donc, l'idée, bien évidemment, vous l'aurez, j'imagine, tous et tous compris, c'est que si je me mets en 2017, mon titre devrait se mettre entre 2017 et 2016.
Ah, c'est wow. Non, même pas. Merci beaucoup. Mais bon, alors, bon, je sais que c'est pas super drôle. Mais par contre, c'est vachement bien parce que ça permet de faire des choses sur mesure. Pour le faire, on va donc devoir créer ici un titre. Alors, pour créer un titre, je peux vous l'apprendre. C'est du grand basique dans Power BI. Voilà. Je mets une chaîne de caractères. J'utilise forcément ma selected value qui renvoie le filtre actuel hein, qui est soumis. Et puis après, ben, je bricole un petit peu ce que je veux. Une petite nuance pour les dates. On verra plutôt le min et le max pour les dates. Hein, parce que le selected value, c'est plus compliqué. Quand on a une fourchette de dates, il ne saura pas vous y répondre. Mais quand c'est des choses très simples, quand on n'a qu'une sélection de fait, un exemple. Je fais ma formule, j'écris ce que je veux, je raconte mon petite histoire. Magnifique. Et dans le visuel, faut avoir une bonne vue. D'accord ? Si vous ne le voyez pas, c'est peut-être qu'il faut les faire réviser vos yeux parce que c'est vraiment bien planqué. Quand vous êtes dans le visuel, alors je vais essayer de fermer un peu tout ça. Quand vous êtes dans le visuel, vous avez, vous le savez dans mon petit rouleau de peinture, la zone des titres. Alors, et à côté là, il y a trois petits points. Ah ouais, ils n'ont pas fait ça très discret quand même. Ils ont fait ça trois petits points ici et ils vous disent, tiens, Guillaume, si on ne mettait pas une petite mise en forme conditionnelle, ben on va essayer. Et donc, ça vous ouvre une fenêtre qui vous dit, ben, la mise en forme conditionnelle, ça peut être quoi? Alors, on peut faire mumuse. Hein. On va lui dire, ben, je prends ma valeur d'une mesure et tu me renvoies la valeur de la mesure dans le titre. Pas mal. Belle nouveauté. Ça, c'est vachement bien. Et donc, on peut faire des trucs franchement extrêmement, extrêmement dynamiques. Autre chose, c'est que ce qui m'intéressera ici, je lui ai dit, tiens, ça, on peut aussi faire des conditions sur des objets images, des objets formes, des objets à peu près n'importe quoi. Et puis, visuellement, j'ai envie dans mon tableau de raconter une histoire. Je vais dire, OK, c'est bien ton document, mais quand on est, par exemple, ici sur ce visuel-là, j'aimerais bien que graphiquement, visuellement, tu me dises la sélection que je vais faire ici, par exemple, sur un arrondissement, d'accord ? Si l'arrondissement est en dessus ou au-dessous de la moyenne nationale, tu me mets en visuel. Je vais prendre un exemple. Ici, tiens, boum, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ici, il est 3,3. Lui, il fait 3,26. Donc, il est en dessous de la moyenne. Donc, je lui dis, si, par rapport à ma sélection, je suis en dessous de la moyenne nationale, il dit, attention, c'est quand même étrange parce que cet élément-là, il se met en rouge. Par contre, celui de dessous, tout va bien, il est bien au-dessus de la moyenne. Donc, on peut aussi se le faire sur une image. Pour ce faire, il y a une astuce tout de même. Quand même. C'est que ici, j'ai utilisé des petites mesures intéressantes. Alors, la question est de savoir où je l'ai rangé, parce que voilà. Mais je pense que j'ai dû la mettre dans les mesures. Alors, j'ai dû le mettre, ben, je ne sais plus, où j'ai mis ma petite mesure. Ce n'est pas très grave. Pour s'en sortir, on va aller dans ici ce qu'on appelle ici l'arrière-plan de mon image. Et comme tout à l'heure, je retrouve mes trois petits points. OK ? Et dans mes trois petits points, j'ai été chercher une mise en forme conditionnelle et je lui ai dit, tiens, tu me fais le positionnement de distance. Alors, je vais regarder ma petite mesure, comment ça marche. Deux choses à faire, deux étapes. La première, c'est de calculer la moyenne nationale. Tout le monde sait le faire, une sélection, all, machin, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. La deuxième, c'est de vérifier par une petite formule, donc je vais la chercher, qui s'appelle positionnement. Voilà. Cette mesure est assez intéressante. Parce qu'en fait, la mise en forme conditionnelle, ce que je cherche à avoir, c'est oui ou non. D'accord ? Sinon, je ne pourrais pas le faire. Et donc, je vais dire, ben, si le kilomètre parcouru de ma sélection actuellement, elle est inférieure à tous mes arrondissements, tu me renvoies moins 1, sinon c'est 1. Donc, j'ai un choix binaire. Et donc, dans ma formule ici de mise en forme conditionnelle, si je retourne dans l'arrière-plan qui est ici, dans ma mise en forme conditionnelle, si c'est moins 1, c'est rouge. Si c'est vert, 1, c'est vert ou ce que vous voulez, ou rien. Moi, je n'ai rien mis pour ne pas alourdir la lecture. Donc, on peut avoir énormément de choses qui fonctionnent. Et ça marche pour tout. Les images, etc. etc. Donc, c'est très riche. Autre chose, des observations, des questions? Ça va? Autre chose, ce qui va être assez intéressant, c'est que la petite nouveauté aussi maintenant, par rapport aux filtres, parce que c'est le thème du jour, et des tris, dans les filtres, des fois, on n'a pas forcément envie d'ouvrir la barre des filtres et regarder tout ce qui est appliqué, pour plein de raisons.
Ils ont donc pensé à nous. À chaque fois qu'on va se mettre sur un élément visuel, on a une icône avec un petit entonnoir. Si j'attends 2 secondes, il me rappelle les filtres sur lesquels le visuel est soumis. Donc, ça peut être intéressant parce qu'à chaque fois, on peut avoir des filtres soumis sur des visuels indépendants. Et il va donc me rappeler l'histoire que je veux raconter dans le visuel. Parce que quand on soumet des filtres, moi, je peux vous dire que ça, c'est une vérité de métier. J'ai 5 personnes devant moi. Ils auront toutes un filtre différent parce qu'ils auront toutes un filtre différent. Mais elles ne le verront pas. Ça, ça devient intéressant. Et vous avez remarqué qu'il embarque la mise en page conditionnelle s'il est appliqué ou pas, mon filtre. Ils ont été quand même assez loin là-dessus. Après, je me suis dit, tiens, ce qui serait quand même assez intéressant, c'est quand on raconte une histoire, de faire ce qu'on appelle du caractère unicode. Parce que c'est le caractère unicode, c'est ma table des caractères avec des petits symboles. Okay ? Et là-dessus, ils ont aussi travaillé. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de dire, bah tiens, je vais prendre un exemple, s'il me rend la main. Parfait. Je vais en chercher un, si ici, ils font bien avec un exemple. Ben, je ne sais pas où je l'ai mis, on va voir s'il y a un exemple qui va bien se faire. Non, il ne veut pas, ce n'est pas très grave. L'idée ici, c'est que j'ai renvoyé une table des caractères Unicode. Ah, parfait. Ça veut dire que là, j'ai soumis un filtre et je lui ai dit, ben, on vérifie un peu ce qu'il me raconte dans cette mesure. Et l'idée, ce n'est pas de renvoyer oui ou non, c'est dire oui, c'est une croix et non, ce n'est pas bien. Donc visuellement, un caractère spécial, un caractère Unicode, qu'on peut aussi soumettre à une mise en forme conditionnelle. Pour ce faire, assez simple aussi, et ils l'ont travaillé, c'est ça qui m'intéresse. Pardon, ici, ils ont fait une petite mesure, c'est un titre dynamique, tac. Et je lui dis, voilà, j'ai créé une petite fonction rapide, et je lui dis, bah, c'est pas compliqué. Si mon taux de disponibilité des vélos dans mon cas de figure, d'accord, est inférieur à mon seuil d'alerte, qui potentiellement aussi, lui, peut être mis sur un curseur, hein, dynamiquement, alors tu me renvoies des caractères avec la fonction unicar. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on pourra donc la contraindre à une mise en page conditionnelle, mettre une croix rouge et un trait, une coche verte. Donc, on peut tout imbriquer. Vous voyez où je veux venir dans la lecture? Donc, la fonction unicar avec de la mise en page conditionnelle et des filtres, ça devient franchement super. OK? Alors, un client un jour m'a dit, Guillaume, cool, mais donne-moi tous les filtres qui sont appliqués dans mon rapport. Fais-moi une carte, un visuel, avec la liste des filtres qui sont actifs dans mon rapport. Tu me dis, attends, t'es un grand cinglé, c'est pas possible à faire. OK ? Alors, si le faire à la main, on pourrait le faire. Il y a une petite astuce. Alors, je vais regarder quelque chose. Je vais essayer de faire là. Donc, l'idée, c'est de se dire, de s'appalucher un truc comme ça à la main, la liste des filtres. C'est quoi l'idée ? C'est de dire, bah, de vérifier pour chacun des champs de chacune des tables, si oui ou non, il est soumis à un filtre. Je vous laisse imaginer le bazar quand on a 30 tables, 50 champs par table. Bon, en 2-3 jours, on peut le faire à la main. Mais... Bon, okay. Il y a un outil qui existe pour le faire. Alors, à quoi ça sert déjà ça? Ça, ce tout petit bout de code qui est là, hein, ici, me permet de ramener, si le filtre il est contraint, alors tu me ramènes le nom du champ et la valeur du filtre. Je vous donne un exemple, par exemple. Je donnerai l'astuce juste après. Je vais mettre un visuel ici. Un visuel carte parce que ici prête franchement plutôt pas mal. Bon, je vais un peu tout casser, mais ce n'est pas très grave. Et ici, je vais lui mettre ça. Dans mon visuel, que je vais mettre en grand, si il me l'accorde. Si tu veux bien te le mettre en grand, ce n'est pas grave, tu ne veux pas. Bon, il ne faut pas se mettre en grand. Magnifique. Ici, il va me dire, bah voilà, Guillaume, aujourd'hui, dans ton rapport, tu n'as qu'un filtre qui est actif. Je vais le mettre ici pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et je vais donc essayer de faire autre chose. Je vais dire, OK, et aussi maintenant, j'aimerais que tu me contraignes janvier, février, etc., etc. Ça, c'est vachement bien. Parce qu'on pourrait imaginer un système de tout le type, d'infobulles. Et quand le teaser fait, me dit, attends, j'en suis où dans mes filtres? Je suis perdu. Et bien, simplement passer sur souris sur un système d'infobulles et il me réaffiche la liste des filtres auxquels j'ai contraint mon rapport. D'accord ? Alors, l'astuce, franchement, n'est pas très compliquée. Il y a un outil qui s'appelle DAX Studio. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un, DAX Studio. Et nos amis de SQL BI, DAX Studio, nous ont rendu une fière chandelle parce qu'en fait, ils nous ont automatisé ce traitement.
D'accord ? Alors, pour ce faire, je vais vous faire voir comment on fait. Je vais vous lancer mon DAX Studio ici. Parfait. Voilà, sur mon autre écran qui va arriver. Voilà. DAX Studio est un outil très connu quand on commence à programmer en DAX, un petit peu de façon aboutie, un petit peu recherchée. Et donc là, je me suis connecté à mon modèle de données dans DAX Studio. Et puis, ben, c'est très compliqué. Faites gaffe, c'est pas facile. Bouton droit. Et puis, tu me dis, ben, ici, define filter sur toutes les tables. Je clique dessus. Il m'écrit la requête. J'ai plus qu'à la copier de l'autre côté. Terminé. Donc là, il vient de me lister l'intégralité des champs et des tables en un clic. Je prends mon bout de code. Je reviens dans Power BI. Je le mets dans ma mesure. Et basta. On vient de gagner, je pense, 2 jours de programmation. Okay. Et à la fin, je suis capable, donc c'est ce que j'ai fait, hein, et à la fin, je suis capable de dire, j'ai un code qui fait, je ne sais pas, peut-être 500 lignes, quasiment 600 lignes, mais ce n'est pas très grave, c'est une mesure d'axe, donc tout va bien. Et ça me permet de lister l'intégralité de mes filtres actifs dans mon rapport. Belle nouveauté aussi, ça. Okay. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous raconter? Oui ou pas? Oui, je pense, effectivement. Alors, je vais revenir. Alors, j'ai mis tellement de filtres que je ne sais même plus... ce que j'ai mis, donc on ne va pas s'embêter, on va enlever tous les filtres, on va les cocher comme ça. Parfait. La dernière chose que je voulais vous raconter, c'était sur le key influencer. Qui utilise le key influencer? Est-ce que vous savez ce que c'est le key influencer dans Power BI? C'est le nouveau visuel qui est sorti, qui est un petit peu c'est pas un peu tout moche de dire ça, mais une espèce d'algorithme qui va essayer de comprendre votre jeu de données. D'accord? Le key influencer, c'est ce visuel qui est ici, dont au passage, ils ont changé l'icône. Voilà. La nouveauté, elle est juste dans le fait que dans le key influencer, on peut maintenant, depuis le mois de juin, personnaliser les couleurs de ces key influencers, ce qui n'était pas le cas. D'accord ? Alors, ça fait partie de mon thème parce que c'est de la mise en page, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, dans ce visuel, on est capable d'aller dans mon rouleau de peinture et maintenant, ça y est, on peut lui faire des couleurs. Et lui aussi, il est soumis à mon thème. Donc, si j'importe un thème, je peux maintenant aussi thématiser ce grand visuel qui est vraiment, enfin, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais qui est quand même assez puissant. D'accord ? A priori, j'ai fait pas mal de nouveautés. S'il y a des questions, je les écoute, j'essaie d'y répondre. Sinon, avec très grand plaisir, je vais passer la main à l'équipe de Tris et notamment Sébastien qui va nous parler de flow et comment je vais allumer ma petite lumière qui est ici. Et donc, je vais me permettre, avant de donner la main à Sébastien, de répondre aux questions s'il y en a, s'il n'y en a pas. Ce n'est pas très grave, je ne vais pas me vexer. Et pour le coup, je vais m'allancer ça pour que nos amis sur le web puissent voir que la lampe clignote réellement. Ils ne vont pas nous croire sinon. D'accord ? C'est bon pour moi ou pas ? C'est bon ? Je passe la main à Sébastien. Merci de votre attention. Où est-ce que sont ton PowerPoint. Je me permets. Vas-y, Ali. Hop. Et il me faudra le. Alors, ton PowerPoint, c'est celui-ci. T'es d'accord ? Ouais. Qu'on va mettre là. Au début. C'est au début. Bon. Ah, il est au début. C'est bon. Hein. Et on va mettre le Google ici en mode privé. Merde, c'est lequel ? Non, c'est celui-là. Le Documents, c'est celui-là. Magnifique. Voilà. Ok. On va voir ça. Après, magnifique. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous parler de Microsoft Flow. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Microsoft Flow, c'est un élément qui est intégré à Office 365. Et c'est un élément qui... Ah, on ne voit pas du coup tout le visuel. Bon, c'est pas grave. C'est un élément qui va vous permettre d'automatiser les tâches. En fait, c'est un service cloud. C'est un outil d'automatisation très simple, très visuel, qui va nous permettre d'automatiser énormément de choses. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous parler quand même du pricing. Le Microsoft Flow, on a une version qui est gratuite, sur laquelle on s'inscrit et on peut utiliser, commencer à créer des flows, qui est très limité. On est à quelques 750 utilisations par mois et un rafraîchissement toutes les 15 minutes. On a d'autres pricing, notamment avec Office 365, où là, on peut monter à 2000 exécutions par mois par Flow et une exécution toutes les 5 minutes. Flow, comment ça marche en fait et à quoi ça sert exactement?
Flow, c'est basé sur des connecteurs. Donc, les connecteurs, il y a une banque de connecteurs qui est fournie par Microsoft, mais aussi par des tiers. Des connecteurs, ça peut être Outlook, ça peut être votre OneDrive, mais ça peut être d'autres éléments, comme là, on voit Elastic OCR. Ce sera mieux pour le moment. Elastic OCR, Google Calendar, etc. Et ça va pouvoir vous permettre d'automatiser des traitements. Par exemple, tous les mois, on reçoit sa fiche de paie par mail, par exemple. On peut créer un flow qui va automatiquement, quand vous recevez un mail qui contient votre fiche de paie, enregistrer la pièce jointe et la déposer dans votre drive et vous envoyer une petite notification. C'est basé sur ce qu'on appelle des triggers. Ce sont des déclencheurs. Donc, chacun des connecteurs peut proposer un ou plusieurs déclencheurs. Celui de base étant le déclencheur manuel que vous pouvez déclencher, par exemple, avec l'application Android ou iOS manuellement sur votre téléphone pour déclencher les actions que vous allez avoir définies. Ou des déclencheurs automatisés. L'exemple du mail, j'ai reçu un mail, il va déclencher le flow. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est le déclencheur Power BI. Je reviendrai après. Le fonctionnement ensuite, après ces déclencheurs, on va pouvoir récupérer donc différentes variables lancées par le déclencheur et on va pouvoir enchaîner des actions. Enchaîner des actions, copier ma pièce jointe vers mon OneDrive, allumer ma lampe, c'est ce qu'on va faire après. C'est très simple à paramétrer, c'est très guidé. Il suffit de cliquer sur le petit bouton plus dans Flow pour ajouter une action. Il nous dit directement, voilà les variables qui sont disponibles dans le ou les actions ou le trigger précédent. Et on peut comme ça, du coup, enchaîner des séries d'actions sans avoir besoin d'écrire la moindre ligne de code. Avec, bien sûr, des contrôles quand même, type de code, donc des conditions simples, des boucles et autres contrôles. Hop, je vais passer surtout à la démo. Ouais, attends, je ne retrouve plus mon Google. Mon Google, il est là. Alors, non, c'est de l'autre côté. Parfait, tu es dessus. Je suis dessus et. Ah, j'ai raté. Non, pas de souci. Alors, les aléas du direct. L'effet démo, c'est normal. Ne pas être sur son ordinateur. Ah, ça pique. C'est celui-ci ? Oui, c'est celui-ci. Et pourquoi il s'est pas vraiment... Parce qu'on va le glisser en haut des chocs. Et là, par contre, il va falloir la petite. Eh bien, on va mettre l'incrustation vidéo. Et voilà. Voilà. Alors, pour faire ça, en fait, j'ai fait un Power BI très simple. On a un simple rapport avec une mesure. Notre mesure, c'est une évolution, quelle qu'elle soit. Ce qu'on va faire derrière, c'est sur cette évolution, créer. Donc, on l'a mise dans un dashboard. On peut créer très facilement, en cliquant ici, une alerte. Cette alerte, je vais bouger ça pour le moment. Hop, cette alerte, ici, on peut voir que j'en ai créé plusieurs. Il y en a une première qui est pour les évolutions négatives. Donc, en fait, on va dire, quand ma mesure que j'ai mise sur mon dashboard passe en dessous de zéro, déclenche-moi l'alerte. Ces alertes, on peut les déclencher une fois toutes les 24 heures ou une fois toutes les heures. On a juste en dessous sa petite sœur qui fait la même chose pour une évolution positive. Quand je passe au-dessus de zéro, déclenche-moi une alerte. Et derrière, on va pouvoir, donc, avec Flow... Si tu réduis pour l'instant. Merde, je me sens très grand. Il est où pour réduire? Oui, c'est le dernier pin rouge. Là, c'est le pin rouge, voilà. Magnifique. On va pouvoir utiliser cette alerte dans Flow. Alors, donc je vous parlais tout à l'heure du déclencheur. C'est ce qu'on a ici, le déclencheur Power BI, qui nous propose directement de mettre l'ID d'une alerte. C'est un menu déroulant. Il me propose toutes les alertes que j'ai créées sur mon workspace. Donc ici, une alerte pour évolution négative. Et derrière, le processus qui va permettre de déclencher nos lampes. Les lampes qu'on utilise ici sont des Yeelight. Elles ont un connecteur qui est dédié, qui pour le coup fait partie des connecteurs payants. Il y a un mode découverte, mais qui fait partie du connecteur payant. Et le flow est super simple. Le premier appel de Yeelight nous permet de récupérer la liste des lampes qui sont associées à notre compte. Il va retourner un tableau format JSON.
Le deuxième nous permet, en l'occurrence, de choisir quelle lampe on va allumer. Donc, en fait, depuis le corps JSON qu'on a récupéré, si le nom est égal à Trees, on allumera celle-ci. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, quand on clique sur un élément, on voit directement, il nous propose, depuis l'action précédente, il nous a proposé directement de regarder la variable corps. Si je clique ici, il nous propose le corps encore, le name, le statut, la région, etc. Donc, ce qui nous intéresse bien ici, c'est le nom. Et derrière, on va pouvoir donc appliquer à chacun de ces éléments filtrés, parce qu'on aurait pu mettre plusieurs lampes, un changement d'état. Donc, on lui propose, on remet les variables qui sont disponibles, donc l'ID de la lampe, sa région, etc. Et on lui envoie un spectre RGB qui va définir la couleur de notre lampe. Et derrière, une petite notification. Alors, plus qu'un grand discours, une petite démo. Peut-être la vidéo, ça, tout sera... Merde, la vidéo. C'est le petit VLC en bas à droite. Je le vois pas. Pardon. Magnifique. Alors, le temps que, de toute façon, que ça se rafraîchisse de ce côté-là. Et voilà. Bravo. Donc, on a eu effectivement sur notre Power BI, hop. Je vais enlever la vidéo. On a eu sur le Power BI notre dashboard qui était passé. Donc, j'avais de l'autre côté mis notre valeur à 55. Voilà, il est bien passé positif. J'ai... Si tu remets la vidéo, ça va mal. Pour nos amis YouTubeurs, ça serait chouette. Pour qu'ils voient ta lampe clignoter quand même. Elle est tous venue pour Elle reste verte là. Merde. J'ai pas fait du clignotement. Bon, ça va pas tarder. Elle reste verte. L'idée, c'est quand on est dans le positif, on est dans le vert. Quand on est dans le négatif, on est rouge. Ce qui est beau, c'est qu'on a aussi reçu la petite notification sur le téléphone, celle de Power BI pour me dire que j'ai reçu une alerte, et celle de Flo aussi pour me dire que ma lampe vient de s'allumer parce que je lui avais demandé. Une limitation quand même, mais là, c'est plus côté Power BI. Cette alerte ne pourra être déclenchée qu'une fois toutes les heures. Donc, ça veut dire que si après, on passe sur une alerte négative et qu'on repasse sur du positif en moins d'une heure, ça ne pourra pas fonctionner. Dans le flux, et je m'étais mis sur la négative. On peut bien entendu tester ça, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une alerte pour pouvoir tester nos trucs. On peut utiliser des tests qui ont été précédemment faits. Et là, du coup, on peut tester la lampe qui va passer rouge. Il nous montre toutes les étapes. Donc, le déclenchement, le discover et l'appel. Voilà, notre évolution vient de passer dans le négatif. Et j'ai encore reçu le petit mail qui me prévient que mon évolution est passée à moins 50. Alors, Flo, c'est sympa, ça, c'est gadget. On peut faire des flux nettement plus intéressants, nettement plus imposants. On peut faire des flux, par exemple, qui vont travailler dans Azure. Donc, on connaît tous Power BI. Power BI, c'est un modèle tabulaire. Le tabulaire, on peut l'avoir dans Azure Analysis Services. Et un truc qui est génial, on peut gérer notre machine Azure Analysis Services avec un flux. Un peu plus complexe. Il y a 2-3 étapes. Et ce flux, en fait, va tout bêtement allumer la machine si elle est éteinte, la passer dans un tiers supérieur pour qu'on ait un peu plus de puissance de calcul, processer notre cube, une fois que c'est fait, revenir au tiers précédent et nous envoyer une petite notification. Là, ce flux-là, il est fait avec un déclenchement manuel. Mais on pourrait très bien imaginer, si par exemple une de vos sources de données, c'est un fichier Excel sur un SharePoint ou un OneDrive, que lorsque le fichier sur le OneDrive est mis à jour, le flux est déclenché. Ou alors, lorsque vous avez un flag qui apparaît sur une base de données SQL Server ou même, je pense qu'il y a un connecteur Oracle, si je ne dis pas de bêtises, pourrait déclencher, donc la mise à jour de ce flag sur cette base de données, pourrait déclencher l'alimentation et le process de votre cube. C'est une façon assez simple de se rendre autonome face à un ordonnanceur ou au contraire pouvoir automatiser ces tâches de je passe en tiers supérieur et je processe. Et voilà. Je reprends la main peut-être. Merci beaucoup pour cette démo, c'est toujours très intéressant.
Petit point de synthèse quand même autour de ça. Flow, Power BI, c'était parti de la Power Platform. Et on n'a pas parlé de Power App aujourd'hui, si on n'aura pas le temps. Mais voilà, ce sont des outils qui sont tous interconnectés, donc on peut faire des choses juste énormissimes. Et dans un cas concret, moi, je vois bien ça. Alors, ça, Flow, comme tu as dit très justement, c'est une heure, etc. Mais dans des cas, si on poussait un peu le bouchon un peu plus loin, dans des cas industriels, etc., on pourrait faire des choses juste géniales, quoi. C'est vraiment un outil vraiment interconnecté. Et en termes de licensing, on l'a passé rapidement, mais je voudrais faire un point de précision. Quand vous êtes sur des plans E3, E4, etc., vous avez déjà des plans de Flow déjà assez conséquents pour faire des choses assez robustes. Voilà. Alors, il existe des trucs gratuits dans Flow, hein, mais c'est 450, c'est 750. 750. Ah, j'ai peut-être mal précisé, ouais. Mais c'est bien 750 par flux. Par flux. Et pas au total. Exactement. Mais bon, c'est très limité, 150, ça va très vite. Et... Mais voilà, Flow est déjà inclus dans vos licensing, donc allons-y gaiement. Après tous ces efforts cérébraux, hein, c'est quand même hyper intense. On va peut-être aller boire un petit coup, manger un petit morceau. Et au passage, je voudrais remercier, parce qu'on a toujours le club, c'est essentiellement des bénévoles. Donc, on est tous liés à être gracieux. On prend sur notre temps perso, les mecs de Trige. Merci encore une fois d'avoir accueilli vraiment. Ils prennent aussi sur leur temps perso, leur temps pro parfois aussi. Et donc, la personne qui va nous offrir le buffet a aussi fait un effort extraordinairement gigantesque. Je me trouve ça quand même. A fait un bel effort pour nous accompagner. Ça fait plusieurs fois qu'il nous accompagne. Ça fait trois fois qu'il nous accompagne. Donc, c'est M naturellement qui a fait l'effort aussi de venir avec de la cam, etc. Pour prendre un petit pot. Donc, merci à lui, même s'il n'est pas nous entendra et on lui dira merci. Et merci à vous d'être venus. Rendez-vous pour nous, en tout cas sur l'île, en septembre. Hein, le prochain, ça sera en septembre. Et puis, d'ici là, ben, soyez actifs sur la communauté. On a toujours besoin de gens actifs. Et merci beaucoup. Merci à vous.